Horoscope Taureau du 19 septembre 2023. Bonjour, voici l'horoscope du jour, Horoscope Amour. Vu cet aspect de Vénus, votre vie à deux risque d'être assez agitée, sinon orageuse. Ne cédez pas à l'appel de sirène de passage. Méfiez-vous, une incartade que vous considérez sans importance risque de se transformer en drame conjugal. Célibataire, cet aspect de Vénus donnera à votre vie amoureuse ce petit regain de vigueur et de tendresse dont elle avait bien besoin. Aussi est-ce l'œil vif et le cœur en émoi que vous allez passer cette journée. Horoscope Argent. Pluton, en aspect harmonique, protégera vos finances et vous apportera le soutien de la chance. Tâchez d'en profiter. Mais attention, ce sera aussi le moment de vous montrer plus vigilant concernant vos achats et vos placements. Horoscope Santé. Vénus, en cet aspect, vous conseillera de veiller davantage sur votre santé. Certes, vous avez beaucoup à faire, mais ne négligez pas pour autant votre forme physique. Et si vous sautiez le pas pour entreprendre une activité sportive régulière? Pour vous motiver, autant que pour tenir sur la durée, entraînez un ami dans vos efforts ou inscrivez-vous dans des cours collectifs. Horoscope Travel. Climat professionnel un peu confus sous l'impact d'aspects planétaires contradictoires. Méfiez-vous, vous serez assez distrait et risquez d'oublier des choses importantes. Attention également à bien vous faire comprendre de vos interlocuteurs, de manière à éviter tout malentendu. Horoscope famille. Profitez de cette journée faste pour régler définitivement certains problèmes qui provoquent régulièrement des heurts avec votre conjoint ou d'autres membres de votre famille. Ayez le courage d'y aller, mais armez-vous de patience et de compréhension. Horoscope vie sociale. Les influx planétaires vous pousseront à vous affirmer sans faire de concessions et à vous montrer plus exigeant dans vos relations avec les autres, d'où certaines mises au point que vous ferez avec un manque évident de diplomatie. Vous n'aurez qu'un désir, vivre et agir en rendant le moins de comptes possible aux autres,